On va faire un tout petit détour par le théâtre. On y était tout à l'heure avec Guillaume, on y retourne. Un conseil de lecture qui vous est servi sur un plateau par Gérard Darmon. Gérard Darmon qui est à l'affiche de Tout à refaire, c'est au théâtre de la Madeleine à Paris en ce moment. Et regardez bien ce qu'il est en train de lire. Ça va vous séduire. Actuellement, je suis en train de lire L'histoire de ma vie de Casanova. C'est drôle, c'est pertinent, c'est extraordinairement bien décrit, bien écrit. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout le séducteur de profession. Il détestait les séducteurs de profession. Lui, il fallait qu'il y ait un sentiment d'amour plus un désir. Et c'est l'addition de ces deux choses-là, ces deux paramètres faisaient qu'il y avait vraiment plaisir et jouissance. Il y a une espèce d'intelligence universelle qui passe les âges, qui est intemporelle, parce qu'il a tout compris du mécanisme et du fonctionnement de la nature humaine. Et ma seule peur, c'est d'arriver à la fin de ce troisième tome, parce que je pense que j'aurais envie de recommencer et de le relire, tellement ce bouquin est riche. Je pense que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature du 18e siècle. Voilà. Histoire de ma vie de Casanova. Eccolo.